Salut à tous et à toutes, c'est Belzéphone et je vous retrouve pour un nouveau Hungercraft parce qu'il y a eu plus de 100 pouces verts, plus de 100 commentaires et presque 1000 vues sur le premier et tout le monde me demandait fais un deuxième! Donc je vous en fais un deuxième. Par contre, pour ceux qui m'ont demandé de faire un let's play sur Minecraft, non, j'en ai pas envie, ça m'intéresse pas. Ni des trucs sur la redstone parce que je voyais déjà tout, ni quoi que ce soit. Je ne joue pas à Minecraft en fait. Pour jouer à Minecraft, je joue à Minecraft pour Hunger Games et rien d'autre. Donc vous n'aurez rien d'autre que Hunger Games et voilà, c'est tout. Je veux l'épée. Comme ça, je peux tous vous buter. Je peux tous vous faire enculer. Toi, par exemple, tu meurs. Ouais, comme ça, je récupère ce que toi, tu as. Yeah, j'ai une épée, je me sens trop fucking puissant. J'arrive, mon petit, même si tu n'as rien, tu vois. La mort est près de toi. La mort est derrière toi et va essayer de te buter. Sauf si quelqu'un me bute avant. Oh, cette personne a une full armure. J'ai bien envie de te la piquer. Même si j'ai pas d'armure. Ah non, c'est pas une full, mais... Mais bon, quand même, je pensais que ça valait le coup. Bon, j'ai une épée, donc si quelqu'un me fait chier, donc je prends ce coffre. Je vous bute. Ok, maintenant j'ai une armure. Maintenant, je vais pouvoir buter des gens. Maintenant, je vais faire chier. Ça peut être comme dans le dernier épisode. Dans le dernier épisode, j'étais faible. Mais maintenant, je prends ma revanche. Revenge. Ce monsieur est en train de grimper à la petite tour. Enfin, à la grande roue. Je crois que c'est une grande roue. Grande roue, est-ce toi? Oui, grande roue. Mon ami la grande roue. Il est un peu con quand même. Il y avait un peu une épée genre sous lui, mais... J'ai une full armure en cuir. Hein. C'est super sexy. Vive le sadomaso, vive le cuir. Ce mec-là. Non, je sais pas ce que t'as vu, mais tu l'auras pas. Voilà, tu n'auras rien, tais-toi, chut, bad. Il y en a beaucoup qui m'ont demandé aussi s'ils pouvaient rejoindre les serveurs. Je mettrai les IP dans la description de la vidéo. Donc en fait il y a 20 serveurs différents sur lesquels on peut rejoindre. Et je peux me faire une fucking épée en fer, donc je vais aller faire ça. Il y a plusieurs serveurs sur lesquels on peut rejoindre. Moi j'en ai 20 différents par exemple sur lesquels je rejoins. Mais pour vous expliquer en fait, c'est extrêmement connu les Hungercraft sur le site sur lequel je vais. Ce qui fait qu'il y a énormément de gens qui se connectent et c'est très très dur d'avoir une place. Moi je me suis payé un compte dessus pour pouvoir vous faire des épisodes corrects, etc. Mais c'est vraiment très très dur d'avoir une place. Donc en fait je vous montrerai et tout comment payer. J'essaierai de vous faire une vidéo tutoriel pour savoir comment pénétrer le jeu. Excusez-moi, pour savoir comment jouer, etc. Et en fait, je sais que c'est un épisode sur la même map, mais en fait, déjà c'est ma map préférée, donc voilà. Et en plus, je suis relativement fort sur cette map, donc... C'est de la merde. Je vais vite me faire mon épée en fer avant qu'il y ait des gens qui viennent, en fait, pour me buter. Je suis toujours trop long pour faire les épées, putain. Accélère, Belzéphone. Ok. Je vais en profiter pour réorganiser ça. Et puis je vais faire semblant d'avoir seulement un bâton. Comme ça les gens vont venir m'attaquer puis je vais les buter. Je vais par contre bouffer un petit peu. Putain, il y a encore plein de monde, sérieux. D'habitude, il n'y a plus autant de monde là après 3 minutes. Ça fait 3 minutes qu'on joue, qui veut mourir? Faut que je fasse genre d'avoir seulement un bâton. J'ai un bâton. J'ai un God Miché. Qui veut un coup de God Miché? Qui veut un coup de God Michelin? Lol. C'est les gods faits en pneus. Pourquoi pas? Écoutez. Il faut des fois avoir un peu de créativité et savoir se lancer dans des projets, même s'ils ne découlent sur rien du tout. Et laissez-moi me gratter la tête. Il y a des gens qui meurent vers par là, donc je vais supposer qu'ils sont par là. Moi, je vais me tailler par là. Wouh! Pas me tailler les veines, hein, juste partir en fait, c'est ce que je voulais dire. Est-ce que j'ai un arc? Oui! Oh, c'était intéressant. Oh, c'était intéressant. J'apprécie. Nous allons courir dans cette magnifique direction qui s'appelle... Oh, ce mec. Je sais pas si c'était très prudent d'aller l'attaquer. Mais je vais attendre en fait. Ouais, voilà, qu'il ouvre un coffre. Fais gaffe, hein, j'ai une épée en fer, moi. Voilà. Je vais essayer de pas crever là, ce serait quand même dommage. Sérieux, je vais pas mourir. Non, ok, cette personne s'enfuit. Ce qui veut dire qu'elle est faible. Yay! Ok. Putain, j'ai eu trop peur. J'ai trop cru que j'allais crever en fait. J'ai paniqué. C'était super dangereux ce que j'ai fait, n'empêche, je devrais trop pas.
Faut que j'arrête de faire ça parce que c'est pour ça que je suis mort en fait dans les autres Hungercraft que j'ai fait. Putain merde, j'ai oublié de prendre. Ouais, enfin ça, j'aurais peut-être pas le laisser par terre, mais aller récupérer le casque en fait. Ça, j'ai pas pris, c'est important. Et ça, c'est quoi? Oh, il y a un pantalon aussi. Ouais, je crois que j'en ai déjà un. Ouais. Par contre, le casque, j'ai pas craché dessus. Ouais, ça veut dire que je suis déjà presque full fer. Ben écoutez, on va pas se plaindre, c'est un bon début. On va juste jeter des trucs un peu inutiles. Genre. Voilà. Bon, il manque plus que des godasses. Ok. Bah écoutez, voilà. C'est bon, j'ai gagné. Non, je gagne. C'est pas trop comme ça que ça marche, mais. Je me plaindrai pas de trouver des chaussures par contre. Salut les gens! Vous allez m'attaquer, sérieux? Tu veux vraiment m'attaquer? Ouais, mais là ils sont deux en fait, je suis en train de me dire. Retraite, retraite! Ok, bon, il y a ton pote qui est mort. Putain, mais lui il va continuer là, il me saute. Okay. Vous aviez des chaussures en fer par contre? J'aimerais bien. Faudrait que je trouve. Putain, mais qu'est-ce que j'ai foutu? J'aimerais bien récupérer relativement vite en fait. Vous aviez des boots? Il y a des boots là. Elles sont pas en fer. Mais personne n'a des boots en fer, c'est devenu super rare ou quoi? Oh, mais attendez, il y a un lingot là. Lingot. Ok. Ok. Bon, bah ça va, je survis plutôt bien. Bah, j'ai tué pas mal de monde en fait. Je vais checker ici. J'ai cru entendre quelqu'un. J'en profite pour mettre ma merde là que j'ai là-dedans. Genre ça. Bon, le reste je garde. Faut pas se foutre de la gueule du monde quand même. J'ai fait du bruit avec ma chaise, excusez-moi. Bon, comme d'habitude, c'est cette map. Hein. Je vous ferai d'autres maps, mais en fait. Je suis tombé sur celle-là, puis je fais. Ah! J'aime. Donc, ben. Il y a quelqu'un qui écrit, c'est-à-dire qu'il est pas loin. Oh, il y a quelqu'un pas loin. Sais pas s'il me tuerait s'il me voyait, mais moi je le tue parce que je le vois. Ce serait bien qu'il chope un coffre. Salut, je m'appelle Balzéphone et je suis un peu nouveau dans le jeu. Non, pas vraiment. Ok, tu joues à ça? Tu sais, je suis un bon viseur. Yay, j'ai eu. Je sais pas s'il y avait des bouts de son fer, mais j'aimerais bien checker quand même. Vous savez, parce que les bouts de son fer, c'est un peu ce que je cherche depuis le début. Ok, bon, il avait pas mal de trucs. S'il y avait des boots. Oh! Il avait un diamant, ça c'est chouette. Oui, des boots! J'ai vu des boots! Non, donnez-moi les boots. Bon, ok, j'ai pas encore eu les boots. Je vais faire gaffe à pas crever dans l'eau. S'il vous plaît, j'ai vu les boots, j'aimerais les avoir. Arrêtez de me donner de la merde. Ah bah enfin. Voilà. Je sais pas si j'ai récupéré son diamant, je sais pas si j'ai récupéré du fer. Ouh! Bah, j'avais assez, j'ai de quoi me faire des boots maintenant, mais bon, ça m'est un peu inutile. Franchement, en plus, j'ai eu un succès spécial, c'est de tuer 6 tribus, enfin 6 personnes comme ça, dans la seule game. J'ai jamais fait une si bonne game, je crois. Bon, maintenant, trouvons des gens et tuons-les. Donc, moi et moi-même, hein. Savoir que je parle beaucoup à moi-même, c'est ma passion. Je peux rien crafter, hein, avec 8 fer, de toute façon, je peux rien avoir de mieux. J'ai pris le diamant, ouais. Au cas où. Bah on sait jamais si je bute une autre tribu et que je gagne un deuxième diamant. Bah je pourrais me faire une épée en diamant parce qu'on sait jamais. Fais gaffe à pas tomber dans les trous. C'est ça, c'est la mort la plus conne, vous savez, quand vous avez une super bonne armure et tout, puis d'un coup, bah vous tombez dans un trou. Je vais peut-être manger un truc. Genre une pomme. J'ai beaucoup de pommes. J'ai beaucoup de bouffe en règle générale à cause de tous les gens que j'ai tués. Ils me vomissaient leur nourriture dessus. Donc après, ben, ça me faisait beaucoup de bouffe. Ouais, je sais qu'il y a un passage ici aussi. Je connais les maps par cœur principalement à cause de Joey Graceffa, pour ceux qui le connaissent. C'est un youtubeur anglais. Enfin, américain. Mais il parle anglais, ok? Et j'adore vraiment ce youtubeur. Et en fait,
Il joue tout le temps sur les maps et moi je regarde tous ses épisodes de Hungercraft parce qu'il fait que du Hungercraft en fait sur sa chaîne de gaming. Donc moi je regarde que ça. Et voilà. Bon, par contre, il y en a qui m'ont demandé de faire des let's play sur Minecraft et tout. Sincèrement, je suis pas tenté par ça. Ça m'intéresse vraiment pas, mais alors pas du tout. Du tout, du tout. Et donc je ne pense pas en faire. Non, en fait, c'est pas que je ne pense pas, c'est que je suis sûr de ne pas en faire, en fait. Je vous fais du Hungercraft sans problème, ça me dérange pas, c'est chouette à faire. Parce que bon, ça a une limite de temps, c'est pas suivi en fait. Mais sincèrement, un let's play sur Minecraft, non, en fait, juste non. J'ai pas envie. C'est un peu. À chaque fois, je me souviens pas dans lesquels il y a les coffres, c'est chiant. Pourrais-je avoir une meilleure mémoire, s'il vous plaît? Ok. Il y avait rien. Juste manger un morceau de pain. Ah bah non, j'ai que besoin de manger une pomme. Enfin, manger du pain, j'ai pas gâché du pain pour ça. Bon là je suis à la recherche d'un autre diamant qui serait bien apprécié. Bon, c'est vraiment super rare à trouver les diamants donc ouais moi aussi je vous vois hein. Vous voulez jouer? Vous inquiétez pas, on va jouer. Vous voulez jouer? Bah vas-y, viens, 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 moi je viens, on joue. Ok, lui il s'en va, bon bah alors je vais t'attaquer toi. Tiens, ton pote il est mort. Ah, il m'a donné un diamant en plus. Mais tu sais, j'ai encore la blinde de vie en fait. Mais lui. Mais lui, il a cru que je laisserais s'échapper en fait. Et ça, j'aime pas. Moi, ça ne me plaît pas. Je laisse pas les gens s'échapper comme ça. Ouais, je suis là. Salut. Hé hey. On ne s'échappe pas de moi comme ça. J'ai de quoi me faire une épée en diamant. Donc, on va directement aller faire ça. Non, mais j'aime pas quand on commence à m'attaquer en team en fait. Je supporte pas les teams dans ce jeu. J'aime bien être en team. Mais les teams, quand on est tout seul, c'est vraiment chiant parce que je trouve ça injuste. Enfin, apparemment, je suis relativement fort parce que je les ai tous butés, mais alors facilement. J'avais pas un bateau. Si, je vais prendre le bateau et me barrer en fait. Parce que je vais mettre 50 ans sinon. Y a personne qui espère me buter, j'espère. Bon. Il fait pas de bruit ce bateau, c'est con. Mais bon, donc en fait, il faut qu'on retourne au casino qui se trouve exactement. Au casino, n'importe quoi. Au cinéma. Se trouve par là-bas. Que je me crafte l'épée en diamant. J'ai bien deux diamants, hein. Ouais. Que je me crafte l'épée en diamant. J'ai un bâton. J'ai pas de bâton. Ah si. Si, 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 si. Ok. Avec l'épée en diamant, si je gagne pas, je comprends pas. Et là, franchement, c'est super méga giga overcool. Donc allons-y. Allons crafter. Allons crafter. Allons crafter. Ouais, ouais, ouais. Oh, mon bateau. Je peux pas perdre mon bateau, je l'aime. C'est mon ami le bateau, mon ami le bateau. C'est comme dans Sam Pyjama. J'avais un ami bateau. Et même qu'il parlait comme ça, mon ami bateau. Ok, excusez-moi. Oh, ils ont re-rempli les coffres. Eh ben, c'est cool pour eux, mais moi, j'ai déjà... Putain, mais il est où, ce cinéma de merde? Il est après? J'ai un doute. Non, hein, il est avant. Ok, mauvaise direction. Ouais, ouais, il est avant. Il est avant, hein. Hein, il est avant. Mais ouais, parce que je me souviens pas. Non, il est après. Non, il est là. Ok. Non, ça c'est le magasin. Ah. Ah, bah voilà. J'en fais qu'il y a personne autour parce que je ne manquerait plus qu'on me tue pendant que je craft. Ça me pèterait un petit peu les couilles. Putain, mais c'est quoi le souci? J'ai des diamants qui lag. Je me suis coincé? Ah non. Ok. Bon, bah écoutez, si je gagne pas, je comprends pas. Là, pour le coup. J'ai essayé d'aller... Je vais aller... Je vais... Voilà. En fait, quand j'arrive pas à parler, j'arrête juste de dire ma phrase parce que ça me saoule. Donc, je voulais dire. Merde. Bon, alors ça c'était con, par exemple. Je vais faire. En fait, cette vidéo est un tuto pour ce qu'il ne faut pas faire dans Hunger Games.
J'aimerais retourner au corn. En fait, corn. En fait, corn, c'est le centre. Parce qu'au centre, il y a généralement des gens qui se ravitaillent. Donc là où il y a des gens qui se ravitaillent, il y a des gens à buter. Et je sais plus si c'est par là. Mais il me semble que oui. Donc je vais y aller. Plouf. Ou j'ai faim. Nom 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 nom. Ok. Allons au centre en Galilée. Allons au centre. Je casse mon bateau 10 fois trop tôt, mais fuck it. Aïe. 15 minutes avant le deathmatch. Avant le deathmatch. Avant le death. Fuck you. Il y a quelqu'un là. Salut. Surprise. Je m'appelle Balzéphone. Mais allez, vas-y, viens là. J'avais vu quelqu'un d'autre par contre. J'ai une épée en diamant, hein, je te le dis juste en fait. Genre, en fait, ils ont chacun leur tour. Surprise! Aouh! Je vais juste me barrer un petit peu en fait, histoire de récupérer un peu d'énergie. Ce serait vraiment con de mourir maintenant en fait. Donc je vais juste me récupérer un petit peu. Je crois pas qu'ils m'ont suivi. Juste récupérer, retourner et buter. Le truc c'est qu'ils sont deux en armure de fer en fait. Vas-y, viens là. Non, ok, je suis mort. Ils sont deux. Putain, il faut que je récupère ma vie. Je vais crever. Bon, là, je suis mort, je pense. Sincèrement, je pense que je vais crever. Ce qui est vraiment dommage. Oh putain, j'avais récupéré assez. Oh non, pourquoi je suis parti là? Mort. Ouais, je suis mort. Putain, c'est con! Ah, ça fout les boules, quoi! Pourquoi je me suis pas. Ah, c'est dommage. Ouais. Bon, bah voilà, c'est un nouvel épisode de HungerCraft. J'aurais pas dû m'aventurer là-bas, mais bon, ils étaient en team de toute façon, et voilà, et c'est ce que je vous expliquais juste avant avec le problème des teams, c'est que quand ils sont deux et que nous on se retrouve tout seul, vous avez deux personnes qui vous attaquent en même temps et vous finissez par crever d'une façon relativement injuste, en fait, parce que vous faites du 2v1, donc voilà. Mais bon, n'hésitez pas à laisser un pouce vert si vous avez aimé cet épisode, vous abonner si vous aimez cette vidéo, la partager pour faire profiter vos amis. Moi, je vous retrouve dans mes prochaines vidéos. Bye bye!